La RDC, c'est une grande nation sur le continent, donc ce sera une belle opposition avec des joueurs de qualité. Sur le plan individuel, ils ont des très bons joueurs, mais je pense que l'équipe du Sénégal a tout ce qu'il faut. Voilà, maintenant, c'est la Coupe d'Afrique, elle est derrière nous, il faut regarder devant et continuer à travailler pour aller chercher cette qualification. Comment se doit-il aborder ce match-là demain? Ah, ça, il faut poser la question au coach. Parce qu'il y a un coach qui est là, qui travaille bien, faut le soutenir. Donc je pense que c'est lui qui est à l'intérieur de son groupe, il sait ce qu'il a à faire. Mais il faut que tout le peuple soit derrière cette équipe pour qu'on puisse battre cette équipe, la RDC, demain. Le Sénégal va jouer sans son leader technique, Sadio Mané. Vous pensez que ça va être un handicap ou bien on doit penser jouer sans lui? Sadio, c'est le meilleur joueur du continent actuellement. Donc, et même depuis une décennie maintenant, il n'a plus rien à prouver. Donc son absence forcément peut être importante pour une équipe, mais cette équipe a de la qualité. Voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de pallier à cette absence. Et comme je répète, le coach a les compétences, il a les connaissances aussi, donc je pense qu'il fera la meilleure composition pour gagner demain. Coach, vous savez, aujourd'hui, le Sénégal est en difficulté au Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que lui est vraiment capable de récupérer ce poste de Il peut, voilà, il l'a déjà fait. C'est vrai que c'est un défenseur central de métier, mais il a les qualités aussi pour jouer dans le couloir droit. Coach, vous êtes souvent souvent cité pour dans la sélection de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Il y a un entraîneur qui travaille bien, il faut l'encourager. Il y a un match important qu'il faut gagner demain. Est-ce que vous pensez qu'un jour, un peu de l'équipe du Sénégal, hein, jouer un match officiel ici à Dakar, à Dolaïwat, après la débâcle en Abidjan, on peut parler de reconstruire l'équipe du Sénégal vers le manque d'Ouattara d'Amli?